Donc, pour créer un formulaire pour une autre entreprise, si jamais un travailleur autonome, il a trois ou quatre activités différentes, ben, regardez, ça c'est le premier. Je pointe ma souris sur le formulaire et vous allez voir nouveau formulaire, nouveau formulaire. Et voilà, vous allez remplir, et laisser un formulaire vierge et vous allez remplir le nom de la deuxième entreprise, etc., etc. D'accord? Donc, c'est comme ça. Et d'ailleurs, la manière avec laquelle on a travaillé le T21-25 pour le travail autonome de concepteur de page web, c'est le même pour quelqu'un qui est un YouTuber. Okay? Donc, un YouTuber, quand il doit déclarer ses revenus, eh ben, c'est la même chose. D'accord? Donc, voici les revenus de AdSense Google AdSense, et voici les dépenses. D'accord? Et comme ça, il va calculer le revenu total, soit travail autonome, soit pour autre comme revenu d'emploi, etc., etc. OK?